Gbagbo n'a pas gagné les élections en 2000 parce que, élection ou pas, Gbagbo allait prendre le pouvoir obligatoirement puisque il était déjà en complicité déjà avec les généraux. C'est-à-dire que c'était déjà prévu, calculé. Voilà comment ils ont exclu Alassane Ouattara et Bédié. Et tout à l'heure dans la vidéo que vous allez suivre, Kpasso, le roi Kpasso, il a, on ne donne pas l'empire du RHDP. 2055, et puis maintenant on va voir si on peut vous donner le pays. Hey! Pendant les élections 2000, on a deux candidats qui ont été exclus. Henri Konan Bédié et le brave cher Alassane Ouattara, dit le Prado. Vu que Alassane a été exclu, il a dit exclu, hein, j'ai pas dit, Alassane Ouattara dit il se présente pas. Il était exclu par Gbagbo Laurent parce que c'est lui qui a mangassé tout ça avec Guy Robert. C'est-à-dire qu'il a pris le mind, il a pris la tête, mélangé, pour ne pas que Alassane Ouattara et Bédié puissent se présenter. Pourquoi? Son coup était déjà monté déjà avec les généraux. Un pays, pouvoir diriger un pays, il faut un programme. Gbagbo n'avait pas de programme. Le seul opposant qui le faisait peur en 2000, c'était Alassane Ouattara. L'opportunité que Gbagbo a eue en 2000, il savait qu'il n'allait plus avoir cette opportunité-là. Donc qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait la saisir obligatoirement. Voilà comment il a joué avec tout le monde, les généraux, Guy Robert, pour que Gbagbo il soit président. C'est-à-dire que élection ou pas, c'était cette occasion-là. Les résultats ne sont pas encore sortis, mais Gbagbo sait qu'il a gagné. Gbagbo déjà parle déjà des généraux, des officiers, des militaires, des policiers, de l'armée déjà. Comment se fait-il que un opposant, ce n'est pas un président, au moins c'est un président qui parle comme Gbagbo Laurent. À l'instant là, ça peut se comprendre parce qu'il est au pouvoir, donc il a le contrôle. Donc on attend que Gbagbo soit réellement président avant que l'armée soit derrière lui. Il faut qu'on prenne les dispositions. À Boussila, Gbagbo Laurent dit, il faut qu'on prenne des dispositions. Donc il parle à ses complices parce qu'il sait que Guy Robert, Guy Robert ne va pas se laisser faire. Tu as du personnel sur place, tu as des soldats. Gbagbo n'est pas encore président. Les résultats finaux sont pas encore annoncés. Mais Gbagbo appelle et il demande. Tu as du personnel sur toi. Le personnel, quoi, c'est quoi? C'est l'armée. Tu as les soldats. En tant que qui, Gbagbo demande. Est-ce que tu as les soldats? Oui. Bon. Est-ce que le plateau est maintenant sécurisé? Gbagbo demande est-ce que le plateau est sécurisé. Alors que là, les résultats finaux ne sont pas encore sortis. On ne sait pas encore qui est président. Mais lui, déjà, il a l'armée déjà sous la main. Donc, il demande, sécuriser, c'est les militaires qui doivent sécuriser les endroits. Donc, élection par élection, résultat par résultat, Gbagbo allait être président. Oui, oui, oui. C'est lui qui m'a dit, d'ailleurs, c'est pourquoi je vous appelle. Est-ce que le général Doué est là? Donc, ici, Gbagbo parle avec ses complices. Il demande après le général Doué. N'a pas dit sécurité, agent de sécurité. Il dit le général Doué est là. Donc vous allez comprendre déjà que tout était déjà organisé pour mettre Gbagbo comme président. Il n'est pas avec vous. Pour se rassurer, est-ce qu'il est ou pas le planter à la dernière minute? Donc il faut qu'il se rassure. Est-ce que le général Doué est là? Et ça l'inquiète. Bon, bon, les gens l'ont pris en otage. Les gens l'ont pris en otage. Il est à quel camp? Ah, il est parti à Agba. Bon, d'accord. Bon, écoutez, il faut que... vous n'êtes pas à la présidence. Bon, il faut aller pour sécuriser la présidence. Donc, avant la proclamation des élections, déjà, vous voyez que Gbagbo déjà demande qu'on aille sécuriser la présidence. En tant que qui? En tant qu'ancien président qui veut monopoliser le pouvoir ou opposant? Parce que quand tu es opposant, tu attends les résultats finaux avant maintenant de proclamer que tu es président de la République. Mais lui savait déjà que la présidence là, c'était déjà pour lui. Parce que d'ici ce soir, il faut que je fasse un tour symbolique à la présidence. Avant la proclamation des résultats déjà, Gbagbo dit d'ici ce soir, il faut qu'il aille faire un tour symbolique sur son fauteuil présidentiel avec confiance. Si ce n'est pas une tricherie, ça là c'est quoi? J'ai demandé à la CNE d'aller siéger et de proclamer les résultats officiels dès qu'ils vont le faire. Ne riez pas. Hein. Le monsieur a tellement convoité le pouvoir. Donc son fauteuil là, il lui va spécialement se déplacer comme pour aller voir ça.
Et puis il va pas rester, mais il va revenir. Parce qu'il est impatient. Lui, Gbagbo opposant, il dit il a demandé à la CNE. Il faut que tout se fasse chap-chap rapidement. Et je vais demander à l'ambassadeur ouénien d'organiser les cérémonies. La proclamation des résultats ne sont pas encore à 100% OK. Mais lui dit déjà, il va dire à l'ambassadeur ouénien déjà de préparer les cérémonies. Pour qu'on commence à travailler aussitôt, dès demain matin ou ce soir, il faut que je nomme un premier ministre. Dès que la proclamation est faite, il faut que je nomme un premier ministre. Demain après-midi, il faut qu'on ait notre premier conseil de ministre. Vous comprenez? Donc, je compte sur vous pour sécuriser totalement la présidence. Et dès que Honoré Guy va proclamer les résultats, je viens faire un tour symbolique. Vous avez ces coordonnées? Bon, on a vos coordonnées. Je vous rappelle, quand vous serez à la présidence, dès que vous arrivez à la présidence et que vous avez tout sécurisé, vous m'appelez. Il a dit, dès que vous arrivez à la présidence et vous avez tout sécurisé, vous m'appelez. Il y a un bureau où il est là même. C'est lui là qui va diriger Côte d'Ivoire. Là. Vraiment. Les gars, c'est pas la peine. Renseignez-vous où se trouve Doué parce que je veux rentrer en contact avec lui. Il faut que tous les officiers soient sur la même longueur d'onde. Gbagbo a besoin de Doué Mathias. Il faut que tous les officiers, lui Gbagbo opposant parce qu'il n'est pas encore président, il faut que tous ces officiers-là soient sur la même longueur d'onde. Parce que si Doué change d'avis et que Doué avec Guy Robert, tout le plan a échoué. Il faut qu'il trouve Doué pour qu'au moins il soit sûr que Doué est avec lui à 100%. T'as installé ta voyoucratie et plus personne n'est en sécurité. Les opposants toujours condamnés, les journalistes assassinés. Et la climocratie est en plein règne dans le pays des messieurs les démocrates. Mal élu, président voilà, très mal élu, président voilà. T'as installé la kleptocratie. Les projets de développement sont bloqués parce qu'il n'y a plus rien, tout a été volé. Oh. La volécratie est en plein règne dans le pays des messieurs le démocrate. Tu peux voler tout ce que tu veux. Mal élu, président voilà, très mal élu, président voilà. Mal élu, président voyou, très mal élu, président voyou. Mal élu, président voilà. Président voilà. Si vous êtes incapable de diriger, allez-vous-en démissionner. Le peuple doit travailler, progresser, avancer. Le peuple doit travailler. Le peuple doit travailler. Oh là. Mal élu, président voyou, très mal élu, président voilà. Mal élu, président voyou, très mal élu, président voyou. Mal élu, président voyou, très mal élu, président voyou. Il sait sa mauvaise moche, mon peuple n'a que fait des ingrats. Il a tout donné, ils ont marché, crié. Président voyou, très mal élu, président voyou.